Salut tout le monde, aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo donc comment apprendre à poser comme le titre l'indique. Donc du coup avec cette vidéo qui va être donc en deux parties, la première partie donc qui va vous donner les bases de la photogénie et donc la deuxième partie qui va donc vous expliquer comment poser donc le visage, le corps, les mains, etc. Donc cette vidéo va globalement être pour vous les bases, avec ça donc vous ne serez pas une pro direct après cette vidéo mais donc vous pourrez vous entraîner pour le devenir. Donc allez c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Donc premier point qui est important à savoir, c'est que nous ne sommes pas tous photogéniques. Qu'est-ce que c'est la photogénie? Eh bien la photogénie c'est super simple, c'est en fait la symétrie au niveau du visage et ou du corps qui fait que du coup ça le rend agréable à regarder. Toutefois même si on n'est pas tous photogéniques, on peut le devenir. Donc comment devenir photogénique? Donc ça c'est le petit 2. Donc déjà il y a trois points essentiels à savoir, la forme de son visage, sa morphologie et surtout sa carnation de peau. Donc première chose, sa forme de visage. Donc je vous mets là les formes de visage. Donc il y a différentes formes de visage, carré, ovale, rond, ça je ne vous apprends rien. C'est hyper important donc de connaître sa forme de visage parce que du coup celle-ci va déterminer quel type de maquillage est adapté pour nous, aussi quelle coupe de cheveux est adaptée pour nous. Par exemple, quand on a un visage rond, on ne peut pas faire une frange ni un carré puisque ça rend encore plus rond. C'est plutôt des coupes qui vont aller pour des visages ovales, etc. Si on a un grand front, il vaut mieux privilégier une frange, etc. Donc tout ça, un coiffeur visagiste sera plus à même de vous conseiller ou même vous trouver peut-être sur internet. Mais donc voilà, la photogénie, ça passe surtout par bien connaître son corps pour adapter du coup ce qui nous va. Ensuite, deuxième chose donc, sa carnation de peau. En effet, même si admettons on a une peau blanche ou métisse, on a des reflets donc soit dorés, soit jaunes, donc des reflets soit dorés roses, soit des reflets jaunes. Donc ça, ça déterminera les couleurs qui nous vont au teint, tant pour les cheveux que pour le corps, les vêtements, etc. Donc si vous avez une peau avec des reflets rosés, ce qui vous ira bien comme couleur de cheveux par exemple, ce sera tous les dorés, cuivrés, etc. Et si vous avez une peau plutôt avec des reflets donc jaunes, etc., ce sera plutôt les couleurs cendrées. Du coup, pour contrebalancer en fait avec cette couleur. Aussi, autre chose très importante à savoir, c'est que même si on a une forme de visage, par exemple ronde, ovale, etc., il faut bien connaître la forme de son front, ses yeux, son nez, son menton, puisque même si on a un visage, je ne sais pas, admettons ovale, on n'a pas tous la même forme d'œil, de nez, etc. Donc on peut avoir un nez retroussé, un nez avec une petite bosse, on peut avoir des yeux ronds en amande, etc. Et donc ça, ce sera très important à connaître puisque ça déterminera en fait quel maquillage nous ira ou ne nous ira pas. Donc c'est super important de le savoir puisqu'en fait, on peut, si on ne connaît pas correctement sa forme de visage et donc des éléments qui composent son visage, faire des choses qui ne sont pas adaptées et donc direct nous mettre le pied dans la tombe et du coup tout capoter pour ce qui est de la photogénie. Ensuite, du coup, troisième point, c'est tout ce qui va concerner donc les morphologies. Donc ça, je vous apprends rien, on regarde toutes les reines du shopping. Il y a des formes en H, en I, en X, en 8, etc. Donc il y a plein de formes de morpho que je vous mets là. Pourquoi c'est important de connaître sa morpho? Ben, tout simplement parce que en fonction de la morphologie qu'on a, on ne pourra pas tous mettre du coup les mêmes vêtements. Et donc il faudra forcément adapter sa garde-robe à sa morphologie pour du coup être le plus photogénique possible et du coup se mettre le plus en avant possible. Ensuite, du coup, le troisième point que je vais évoquer avec vous, c'est donc de connaître son bon profil. Donc son bon profil, c'est le profil donc soit gauche, soit droit, en fonction du coup de celui qui est le plus agréable à regarder. Comment connaître son bon profil? C'est vraiment tout simple. Demandez à quelqu'un donc de vous prendre en photo donc le visage légèrement de trois quarts comme ça du côté gauche, pareil du côté droit. C'est hyper important, faites-le avec la caméra donc, qui est au dos du téléphone, pas avec la caméra frontale, hein, puisque la caméra frontale, en fait, elle est paramétrée différemment et du coup, ça ne rendra pas bien. Donc demandez à quelqu'un de vous prendre ou mettez le retardataire et puis donc vous verrez quel est le côté le plus sympa à regarder avec les meilleurs angles, etc. Donc généralement le côté où on a notre bon profil, c'est celui où on a l'œil un peu plus ouvert et le sourcil légèrement relevé. Pour la majorité de la population, c'est le profil gauche et du coup dans mon cas, c'est aussi le profil gauche. Ensuite, quatrième point hyper important en photogénie, c'est donc de toujours se placer face à la lumière. Ça paraît évident donc de forcément pas prendre des photos en contre-jour, mais aussi surtout de pas avoir la lumière qui vient sur le côté comme ça. Parce qu'en fait, si elle vient sur le côté, ça va taper donc sur tous les angles du visage, comme le nez, etc., la mâchoire. Et ça va faire en fait apparaître tous les angles très marqués qu'on peut avoir. Et donc forcément, ça va faire comme si on avait un gros nez, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Et du coup, ça va rendre la photo pas très jolie. Alors qu'en fait, on ne ressent pas forcément ça. On va se dire, oh mon Dieu, j'ai un gros nez, je suis boudinée. Oh regarde, on dirait que j'ai ci, que j'ai ça. En fait, non, c'est juste parce que la lumière vient pas du bon côté. Et du coup, ça fait apparaître toutes les choses disgracieuses qu'on peut avoir. Alors, ça y est, on passe à la partie 2. On rentre dans le vif du sujet. Donc, comment poser sur une photo? Donc, cinquième conseil. Comment poser sur une photo? Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas faire de grands sourires, de big tease, de big smile. C'est pas photogénique du tout.
Parce qu'en fait, dans un premier temps, ça fait ressortir les joues. Parfois, le double menton, ça plisse les yeux et c'est vraiment pas gracieux du tout. Donc, il faut vraiment privilégier les petits sourires doux, légers, comme ça, voilà. Mignons, vraiment des trucs super doux parce que sinon, c'est pas photogénique. Le sixième conseil que je peux vous dire, c'est que même si on fait pas des big sourires, c'est important de faire transparaître des émotions et donc de ne pas avoir un visage fermé. Pour ça, il faut entrouvrir légèrement la bouche quand vous faites des photos, par exemple, comme ça. En fait, pourquoi entrouvrir la bouche? Parce que, comme je viens de vous le dire, ça permet de ne pas fermer le visage et aussi ça l'allonge, donc c'est tout bénef. Quand vous ouvrez la bouche comme ça, ce qui est important aussi, c'est de bien coller la langue derrière vos dents. Pourquoi coller la langue derrière les dents? C'est parce qu'en fait, c'est pas très sympa de voir ce qui se passe dans votre bouche. On n'a pas trop envie de voir vos molaires ni votre luette. Et puis aussi, ça permet d'éviter l'effet double menton. En fait, ici, vous sentez, quand vous allez coller votre langue derrière les dents, faites-le. Ça va se contracter et donc ça va permettre de bien lisser votre menton et donc vraiment d'avoir le visage fin. Comme je viens de le dire, c'est pas des photos d'identité, donc même si on sourit pas forcément avec la bouche, on peut faire transparaître des émotions avec le visage et surtout avec les yeux, comme on dit, les yeux c'est le reflet de l'âme. Donc du coup, vous pouvez faire transparaître plein d'émotions par votre regard, que ce soit de la colère, je sais pas, de l'amour, etc. Par exemple, les garçons, eux, ils sourient jamais sur leurs photos, ils font tout le temps un regard comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, il faut que vous vous entraîniez à faire ça. C'est la photo, c'est surtout du coup le mannequinat, le métier de mannequin, c'est de la comédie. C'est pour ça qu'il y a autant de mannequins qui font du cinéma. C'est vraiment apprendre à faire ressortir des choses avec son corps sans forcément se servir des outils premiers. Par exemple, comme je viens de le dire, la joie, on n'est pas obligé de faire un big sourire pour faire ressortir de la joie. De même que pour la colère, on n'est pas obligé de crier, d'ouvrir la bouche comme ça. Ah. Enfin, après, il y a des photos artistiques où on peut le faire. Mais voilà, apprenez vraiment à jouer avec votre corps et avec votre visage. Et ça vous aidera énormément. Ok, là, c'est le même chat. Conseil que je peux vous donner, c'est donc une prise de vue adéquate. Qu'est-ce que j'entends par une prise de vue adéquate? C'est-à-dire que si, admettons, vous avez une mâchoire assez carrée, ne faites pas prendre la photo en contre-plongée parce que ça va faire ressortir celle-ci et ce ne sera pas photogénique. En revanche, si vous êtes petit ou petite, faites prendre des photos donc plutôt en prise de vue basse, voire contre-plongée. Ça vous fera paraître plus grand. Et puis si vous êtes grande ou grand et que vous faites 1m80, privilégiez voilà, les prises de vue moyennes voire hautes, ça vous fera paraître plus proportionné à votre environnement. Donc la prise de vue adéquate, c'est hyper important parce que sinon on peut paraître tassé, on peut paraître boudiné. Enfin voilà, c'est hyper important pour être proportionné dans son environnement. Et si on ne sait pas toutes ces choses-là en termes de prise de vue et d'éclairage, et c'est comme ça que souvent sur les photos, on se dit « Oh mais je suis pas photogénique, je suis pas belle, machin ». En fait non, c'est juste que les bases de photos ne sont pas connues et du coup forcément la photo n'est pas belle. Et tout ce qui va être donc les poses pour le visage. Pour le visage, variez les angles. C'est-à-dire que même si vous avez un mauvais profil à droite ou à gauche, faites quand même des photos avec ce profil-là, puisque des fois on peut être surpris et avoir de très bons résultats. Donc voilà, variez les angles. Faites deux faces si vous avez un visage symétrique, deux trois quarts de profil de ce côté-là, pareil de l'autre. La tête, ouh, mon cou a craqué. La tête comme ça sur le côté. Pareil de l'autre, enfin voilà, faites bouger votre tête, comme ça va varier les angles et les prises de vue, et ça c'est hyper important. Conseil qui concerne toujours les poses de visage, donc là ça va être du coup plutôt pour ce qui va être photo, maquillage, éditorial, beauté, etc. Donc jouez avec vos mains, c'est super important. Je vais vous montrer juste là, vous faire une petite démo. Donc voilà, jouez avec vos mains, posez-les délicatement sur vos joues, le menton, le front, etc. N'hésitez pas à être inventif, vraiment, c'est super important. Voilà, jouez avec vos mains, mais toujours de façon délicate et vous verrez, le résultat sera au rendez-vous. Un conseil que je peux vous donner là, ça va être pour les poses pour le corps. Du coup, pour le corps, pensez toujours à exagérer à fond vos poses. Pourquoi je dis exagérer vos poses? Parce qu'en fait, si elles sont faites, mais de manière timide et pas exagérée, ça va clairement se voir en photo. Et en fait, un truc hyper important à savoir en photo, c'est qu'il faut toujours exagérer parce que ça sort pas du tout pareil derrière l'objectif que quand nous on voit avec nos yeux. C'est-à-dire que un maquillage qui va paraître moyen en photo, en vrai, quand on va se voir, on va se dire oh mon Dieu, je suis hyper maquillée. Mais c'est parce qu'en fait, derrière un écran d'ordinateur, de téléphone, enfin voilà, derrière un écran, ça rend pas pareil que nous quand on voit avec nos yeux. Donc du coup c'est pareil pour les poses et pour le maquillage. Exagérez toujours à fond. Vous verrez qu'en fait on paraît beaucoup moins exagéré en photo. Par exemple, je m'explique, si vous déhanchez, déhanchez vraiment à fond et une fois que vous allez voir la photo prise, vous allez vous dire oui en fait ça va, elle est bien. Alors que quand vous le faites, vous avez l'impression de vous péter le dos et je parle de mon expérience perso. Donc voilà, exagérez à fond les poses, c'est vraiment super important. Donc, on va parler donc encore des poses pour le corps. Évidemment, elles sont infinies.
Donc là, c'est votre imagination qui va définir en fait la limite de vos poses. Par exemple, si vous êtes danseuse, vous pouvez faire un tas de poses que moi je ne peux pas faire. Voilà, soyez hyper inventive et inventif, n'ayez pas peur d'être ridicule, parce que franchement, on est lassé de voir tout le temps les mêmes poses, tout le temps les mêmes photos, tout le temps les mêmes trucs de base en mode, et c'est super cool. Moi, quand je vois des photos où une fille elle lève la jambe super haut et tout, je me dis punaise, ça c'est super classe, et généralement, c'est des photos qui font des couvertures, etc. Donc voilà, n'ayez pas peur d'être inventif ou même de faire, je ne sais pas, des collaborations avec, je ne sais pas, des vêtements un petit peu originaux, etc. Je sais que pour ma part, c'est ce qui m'a valu une couverture, c'est de faire voilà, avec des bijoux assez originaux. Donc voilà, n'ayez pas peur d'être inventif, faites vraiment plein de choses. Néanmoins, je vais quand même vous montrer quelques bases juste là en vidéo. Donc du coup, il y a forcément des bases, hein. Après, je peux vous expliquer plus longuement les poses dans une autre vidéo. Puisqu'il y en a debout, il y a celle appuyée, il y a celle assise, il y a celle accroupie, enfin voilà, il y en a tout un panel. Mais du coup, les bases, ça va être donc les mains sur les hanches, de varier là où on va poser les mains, sur les hanches, sur l'épaule, au-dessus de la tête, faire bouger ses jambes, essayer de créer des angles, voilà, bouger sa jambe du côté droit, du côté gauche, essayer vraiment d'être en mouvement, ça c'est super important. Les triangles, vous allez me dire, mais de quoi elle me parle, c'est quoi les triangles? Les triangles, en fait, bah, comme son nom l'indique, c'est des triangles, c'est des formes géométriques. En fait, c'est des formes géométriques qui sont recherchées en photo. Donc, je vous mets des exemples juste ici, de mes photos, évidemment. Et donc, du coup, c'est des formes géométriques qui vont être recherchées pour donner un aspect graphique et photogénique aux photos. C'est très recherché. Donc, voilà, pensez toujours au triangle. C'est super important. Ensuite, occuper l'espace. Comme je viens de vous le dire, il va falloir bouger, être inventif. Créer des choses, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On n'a pas cette aisance d'enchaîner les poses comme ça du jour au lendemain. Ça prend du temps, surtout si on n'a pas d'expérience du tout. Donc voilà, entraînez-vous et vous allez voir que ça va venir tout seul. Mais surtout, pensez à occuper l'espace et à être en mouvement. C'est ça qui est très important dans une photo, surtout si vous êtes petite. Pensez à occuper un maximum d'espace, surtout si par exemple vous faites des poses assises. Étirez-vous au maximum, vous allez avoir l'impression d'être une girafe et d'être ridicule. Et quand vous allez voir la photo, vous allez dire non, en fait ça fait bien. Et en plus, on dirait que j'ai des jambes qui font 1 mètre, donc ça va être tout bénef. Ensuite, ça va être aussi de toujours bien avoir les doigts, comment dire, bien relâchés. Ne pas avoir les doigts crispés comme ça ou comme ça sur la taille. Vraiment avoir un aspect de doigts relâchés, mais toujours les doigts pas crochus, vraiment tendus, mais relâchés. C'est assez difficile au début d'être entre les deux, mais ça va venir. Et pareil pour les pieds. Veillez toujours à bien tendre votre pointe de pied, mettez pas les pieds vers l'intérieur, toujours voilà bien comme ça, ou même vers, comme ça vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Toujours bien tendre les pointes de pied, c'est super important, parce que sinon ça fait pas très pro et puis c'est pas très joli non plus. Conseil que je vais pouvoir vous donner, ça va être de s'exercer en musique, ça paraît vraiment tout bête, mais en fait c'est super important et c'est ça qui va vraiment vous permettre d'être à l'aise et au fur et à mesure de pouvoir enchaîner les poses. Mettez la musique, mettez-vous devant un miroir et franchement faites la meuf. Il n'y a pas à dire, quand on fait une prestation de mannequin, comme je viens de le dire, c'est une prestation, c'est un métier, ça ne définit pas du tout votre personnalité. Donc vraiment, faites la meuf à fond, allez-y à fond, donnez tout, parce que c'est ça qui va vraiment donner voilà, du peps à votre photo et qui va la faire sortir du commun et de l'ordinaire. Ne soyez vraiment pas timide, franchement, il faut vraiment tout donner, parce que franchement, quand vous me voyez là, moi j'ai l'air d'un petit bébé, alors que quand je fais mes photos, je me dis, allez, vas-y, fais la femme fatale, donne tout. Et franchement, c'est ça qu'il faut faire, comme je viens de le dire, c'est une prestation, c'est un métier, donc vraiment donner tout. Mon conseil, mais pas des moindres, c'est de ne pas couper les membres, donc mains, pieds, bras, enfin bref, les membres. Je m'explique et je vais vous le montrer tout de suite en vidéo. Donc par exemple, si vous mettez votre main comme ça dans le dos, ne la coupez pas, il faut bien qu'on voit donc les doigts, parce que sinon ça fait un effet moignon et c'est vraiment pas joli. De même, si vous appuyez sur une seule jambe, il faut qu'on puisse voir votre jambe légèrement décalée sur le côté, puisque sinon ça va faire un effet moignon de la cuisse et ça c'est vraiment vraiment pas joli. Donc voilà, pensez toujours à ne pas couper les membres. Ou même si c'est un photographe qui prend la photo, il ne faut pas que quand il vous prenne, admettons, en portrait, si vous avez un bras qui est le long du corps, il ne faut pas que ce bras soit coupé, sinon, donc là, c'est pas de votre faute, hein. C'est du coup, entre guillemets, de la faute du photographe qui a coupé la photo. Donc là, ça fait un effet moignon, c'est pas joli, c'est pas une photo à garder. Et des fois, on est vraiment dégoûté parce qu'il y a des super belles photos, et puis en fait, elles sont coupées, et on se dit, oh, fais, hein. Il faut la recommencer, et du coup, voilà, c'est super important, faites super gaffe à ça. Ensuite, du coup, avant-dernier conseil, mais pas des moindres, c'est créez-vous un mood board. Qu'est-ce que c'est qu'un mood board? Donc, comme son nom l'indique, c'est une planche qu'on crée donc avec des photos pour le thème qu'on va faire. Par exemple, je vous mets des exemples ici.
musée, paillettes, etc. Vous choisissez un thème. Comme ça, vous pourrez vous inspirer. Dedans, il y aura des make-up, des tenues, des poses, des lieux. Enfin voilà, ça, faites-le sur Pinterest. D'ailleurs, c'est super bien puisque quand vous allez sur Pinterest et que vous allez sur plusieurs photos, en dessous, il vous propose des photos du même thème automatiquement. Et ça, c'est super bien pour vos recherches. Donc voilà, faites des mood boards. Absolument tout le monde en fait, hein, même... Même les grandes marques de prêt-à-porter, le fond, la haute couture, enfin absolument tout le monde fait des moodboards, donc faites-en. C'est ça qui va vous permettre aussi d'être plus professionnel et de travailler votre séance avant, puisqu'une séance photo, ça se prépare. Donc voilà, il faut vraiment avoir préparé son make-up, ses attitudes, ses poses, ses tenues, voilà, ça se bosse avant. Il faut répéter, il faut bien préparer, donc faites-vous un moodboard pour ça. Du coup, le dernier conseil que je vais vous donner, mais vraiment c'est super important, c'est de rester vous-même. Ne faites pas des choses que vous n'avez pas envie de faire. Peu importe le type de photo, le thème de photo, la pose ou quoi, si vous sentez que ça ne vous correspond pas et que vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas, puisque de toute façon ça va se ressentir derrière l'écran et ça va être moche tout simplement. Donc restez vous-même, faites ce qui vous plaît, mais éclatez-vous, faites-vous plaisir, n'ayez pas peur d'oser. Si vous avez envie de faire quelque chose, n'hésitez pas à le faire, tout simplement osez. Mais s'il y a des choses que vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas, restez toujours vous-même et vous verrez que c'est comme ça que vous allez progresser, c'est comme ça tout simplement que vous allez vous faire plaisir aussi, et c'est super important. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Dites-moi, surtout n'hésitez pas en commentaire si ça vous a aidé tout simplement, puisque c'est ma toute première vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres thèmes, n'hésitez pas à me demander, ça me ferait super plaisir de vous en filmer. Il y a plein d'autres thèmes que je peux aborder aussi, notamment par exemple les Polaroid, donc les photos qu'on prend pour postuler en agence ou une fois qu'on est en agence pour avoir des jobs. Il y a aussi donc les différents types de poses, donc tout ce qui concerne le haut du corps, le bas du corps, assis, debout, appuyé, enfin voilà, il y en a tout un panel, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos, ça me fera super plaisir de vous filmer ça, et puis je vous fais plein de bisous.